la seule fois que j'ai pris de l'essence, la seule fois où je prends de l'essence en un an, en une année, depuis que je roule à l'électrique, eh bien c'est pour remplir la tondeuse à gazon. J'ai acheté hier 5 litres, à peu près 5 litres d'essence, donc dans mon petit jerrycan de 5 litres, ça coûtait 7 euros, presque 7,50 €. Je me dis, mince, dis donc, 7,50 € pour remplir ce machin-là. Aussi, je sais qu'il y a toujours un radar planqué, là, radar de chantier. Ah, il n'est pas là, eh ben c'est qu'il est ailleurs. Ça, c'est pas bon. Bon, de toute façon, je m'en fous, je roule toujours à la bonne vitesse. Donc, les éoliennes, alors, là, c'est vraiment impressionnant. Il y en a un paquet. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus au fur et à mesure du temps qui passe. C'est pas beau quand même. Voilà, là je roule à la vitesse légale. Ça change rien au niveau du bruit, de la tenue de route. Là j'ai un vent plein de poire. Regardez-moi ça, 80 km/h sur combien de mètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, je veux dire 100 mètres, c'est tout, et voilà. C'est une route gravillonnée, ça fait du bruit. Bruit de roulement. La colline qui se trouve en face, c'est là que j'ai tourné la coupe de champagne qui fait ping. Voilà. C'est mon gueule là-bas. Et voilà, 80. Oh, puis on s'en fout, hein, 80, il y en a marre. Hein. Et hop. Faut savoir ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas des routes dangereuses. J'ai vu des accidents, cette route-là, oui. Des accidents mortels. Mais ce n'était pas la faute. La plupart du temps, ce n'est pas la faute à la vitesse. C'était des erreurs de conducteur. Il y a une immense usine de fabrication de chanvre, d'isolant à base de chanvre, qui se trouve à droite. Je ferai une vidéo sur cette usine.
voir qu'il y a beaucoup de, faut savoir qu'il y a beaucoup de cultures de chanvre, puisqu'il y a une grande demande. Le chanvre étant un excellent isolant pour les maisons et autres. Et c'est pas cher. Donc en plein champ, boum, d'un seul coup, une énorme usine qui sort de terre. Un petit camion même, avec une bavette à l'arrière. Là, je me méfie parce que s'il la perd, cette bavette-là, oh, un bout de pelouse synthétique. Donc là, si je veux, bon, vu le parcours que j'ai fait, j'en suis à largement plus de 100 km. En peu de temps, avec un bon bout de rocade à 110, je peux recharger chez Lidl pour soulager la facture. Bon, facture légère. Possible. Il faudrait gagner à peu près peut-être 50 centimes, pas plus.